Mais je vais vous dire une seule chose, la famille. Ça fait combien d'années la Guinée est dans souffrance? Ça fait combien d'années il y a difficulté chez nous? Et la difficulté qui était chez nous, c'est grâce à les RPGistes. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Comme ils n'ont pas honte, ils n'ont pas eu honte de tout ce qu'ils ont semé en Guinée. Ils continuent toujours de se mettre au-dessus. On va leur montrer qu'on est prêt pour eux. On est prêt pour eux. Leur bêtise qu'ils ont fait, c'est nous-là. Jusqu'à aujourd'hui, grâce à notre frère digne, colonel Doumbouya, qui a décidé de montrer à la population que trop c'est trop, il faut que le pays là avance. Si vous allez vous laisser bras croisés, regardez, RPGIS là, on doit s'élever contre eux-mêmes. On ne doit même pas leur donner le temps. Parce qu'ils étaient au pouvoir, on a vu comment ils ont pris la Guinée. Comment ils ont traité la Guinée. Comment ils ont mis la Guinée en boue. On va rester assis comme ça, regarder les personnes comme ça là qui vont se regrouper encore pour dire qu'ils vont faire quelque chose en Guinée. Ouvrez vos yeux, la famille. Il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on se donne la main. Ils sont là parce qu'ils savent qu'ils ont mis la Guinée en retard. C'est à l'étranger, ils ont l'air bien ici, là. Je connais beaucoup d'entre eux. C'est pourquoi ils ne construisent pas ces noms. C'est pourquoi ils n'ont pas des biens ces noms. Quand ils vont finir de faire leurs bêtises là, c'est venir se coucher ici de ce qu'ils ont préparé par là. Quelqu'un qui aime son pays, quel qu'en soit, il fait toujours un bon travail sur lui. C'est les bandits regroupés. Ils ne sont pas là pour la Guinée aujourd'hui, ils ne sont pas là pour la Guinée demain. Si c'était les gens qui étaient là pour la Guinée allait être petit Paris aujourd'hui. Parce que tous les richesses qu'ils ont volées là pour aller mettre ailleurs, s'ils mettaient ça sur la terre de la Guinée allait être autre chose aujourd'hui. S'il vous plaît, les familles Soussou, les familles Peul, les familles Malinké qui sont dignes dedans, les familles Forestier, les familles Baga, toutes les races qui sont en Guinée, ouvrez vos yeux, ne vous laissez pas utiliser avec les ennemis qui ne sont pas là pour vous. Bien si ils sont nos frères, ils sont nos mamans, ils sont nos sœurs, mais leur idée est différente. Leur idée est différente, je vais vous dire ça aujourd'hui. Moi, je n'ai pas peur. Je vous ai bien dit que la mort, ça ne me dit rien. Mais ce qui est le problème de ce nous, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. La mort, là, je vais... Que quelqu'un me tue, que quelqu'un ne me tue pas, le jour où Dieu a écrit sur moi, si ça arrive là, je vais partir. Donc, je n'ai pas peur de ça. Ce qui est sur la vérité de ce moi, je vais dire avant de partir. Je vais dire avant de partir parce que j'aime ce moi. Je veux voir ce moi joli. Même si tu es mon frère de sang, si tu n'as pas bonne idée de ce pays, ça ne va pas marcher entre toi et moi. Donc, c'est pour vous dire, la famille, ne reste pas assis pour que les RPGIS là viennent vous corrompre avec leur méchanceté qui est dans leur cœur là. Ils ne sont pas là pour notre pays aujourd'hui. Ils ne sont pas là pour notre pays demain. Je ne parle pas parce que je supporte Selou Dalé. Ils vont voir que dans mes pages, je suis là à supporter Selou Dalé. Je supporte Selou Dalé parce que c'est un homme qui est bien. C'est un homme qui est digne.
C'est un homme qui a l'expérience. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est faux. Je pense qu'ils vont passer parce que je supporte que ce monsieur, c'est à cause de ça, je l'ai diminué. C'est pas ça. J'aime mon pays. Si tu n'as pas une bonne vision de mon pays, je ne vais pas te suivre. Je ne vais pas te suivre. On n'a qu'à se dire la vérité, la famille. Donc, s'il vous plaît, si on a trouvé quelqu'un qui est venu nous sauver, regardons-lui. Soutenir Colonel Doumbouya et ses entourages pour que le bon travail qu'ils ont commencé, ils n'ont qu'à terminer pour terminer leur mission. C'est tout ce que je peux vous dire. N'écoutez pas les méchants là qui vont venir vous décourager parce que c'est les gens, ils ont toutes les méthodes pour faire sortir. Et avec tous nos richesses qu'ils ont volées là, c'est avec ça aussi, ils vont venir vous manipuler. Donc, soyez prudents. Toutes les souffrances qu'on a fait là, si on a eu quelqu'un qui a travaillé avec eux, pendant combien d'années, Colonel Doumbouya était dans le même système là. Il les connaît très bien, plus que ce que nous-mêmes on connaît aujourd'hui. Parce qu'il a travaillé avec eux. Il connaît qui est qui, il connaît qui est capable de faire quoi. Tout ce que je peux vous dire, soutenons le monsieur là pour qu'il finisse son travail. Normalement, on ne devrait même pas laisser les RPGs là. Si c'était les gens qui ont honte là, ils devraient se taire même pour ce moment. Ils devraient se taire même pour ce moment. Mais c'est les gens qui n'ont pas honte. Ils savent seulement ce qu'ils veulent. Les bonnes personnes qui ont organisé ça et tous sont calmes ce jour aujourd'hui. Ils ne font plus partie de ces parties-là. Parce que cette partie-là est devenue maintenant partie satanique. Partie qui n'est pas là maintenant pour son pays. Les gens qui ont organisé RPGIS là, les bonnes personnes qui ont organisé ça là, ils ne sont plus dedans. Parce que pourquoi ils ne sont plus dedans? La honte qui est sur eux aujourd'hui, c'est à cause de ça qu'ils ont vu loin. Ils se sont retirés. Ils se sont retirés parce qu'ils savent que la Guinée, c'est chez eux. Les médecins qui ont venu changer ce parti, c'est eux qui sont là-bas dedans comme ça. Donc, il ne faut pas qu'on leur donne le temps. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est une partie même qui devrait se taire d'abord. Parce qu'ils nous ont donné quelqu'un qui est venu nous traiter mal, qui est venu mélanger tout le monde ensemble. Si j'avais honte de ça, là, il devrait se taire d'abord. Jusqu'à 4 ans même avant qu'ils fassent sortir leur tête là. Au lieu de venir vous asseoir sur les réseaux sociaux, allez vous asseoir dans votre siège là. Vous devrez vous organiser comment s'arranger et gagner une bonne personne qui peut venir vous donner le nom, qui peut venir vous donner la force, parce que là où vous êtes à terre. Vous êtes à terre, les RPGIS. Vous êtes à terre. La honte, là, vous mettez ça derrière seulement. Mais au fond de vos cœurs, là, vous êtes à terre. Donc, la famille, tout ce que moi, je peux vous dire, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. On dit quand tu connais quelqu'un, tu sais maintenant comment marcher avec l'intéressé. Tous les gens qui sont là, qui n'ont pas là pour nous là, qui n'ont pas là pour avancer ce pays, ne les écoute pas. Il ne faut pas qu'on leur donne le temps.
et les herpésies, je profite de ça pour vous dire. Les forêts sont prêtes contre vous. On est prêt contre vous parce que les bêtises que vous êtes partis faire en forêt là, on vous attend. On vous attend. Si vous n'avez pas honte là, on va vous montrer que qui nous sommes. Qui nous sommes. Trop, c'est trop. Vous avez mis le pays là à terre. Vous avez mélangé les âmes ensemble sans construire le pays là. Sauf mensonge seulement, vous n'avez pas honte de ça. Les faux cadres qui partent s'asseoir dans leur siège là, vous n'avez pas honte. Et c'est pour dire maintenant que la Guinée, vous êtes les fils de la Guinée. Vous êtes méchants. Vous ne connaissez seulement que vous-même. Vous ne connaissez seulement que vous-même. Tous les enfants dignes du pays, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient partout, ils mettent dans leur tête qu'on va construire chez moi, chez nous. Mais vous, vous êtes là-bas. C'est pour venir vous enrichir par là sans travailler le pays pour nous. Et c'est pour vous asseoir pour dire que la Guinée est déjà gâtée. C'est parce que votre comportement sale que vous avez mis la Guinée dedans, pour vous, on n'allait pas comprendre tout aujourd'hui. On a compris tout. Tous vos sales comportements là. Vos sales choses, comment dirais-je, comportements au pays. Écartez les autres ethnies, sauf vous seul seulement. On a tout compris ça. Donc, mettez l'eau dans vos veines et fermez vos bouches pour le moment. On ne veut rien attendre votre chose là pour le moment. Notre force à l'air là, c'est de supporter Colonel Doumbouya et ses entourages pour qu'ils puissent nous donner la joie de plus. De plus, parce que vous êtes là, vous ne voulez pas voir aucun individu qui peut travailler. Dès que vous avez quelqu'un qui est là maintenant pour travailler le pays là bien, ça vous donne le feu comme ça là. Parce que tout simplement, votre manigance que vous faites là, tout va être bloqué. Donc, quelqu'un de bon, quand quelqu'un de bon vient seulement à la tête, vous êtes là à créer comment déstabiliser l'intéressé. C'est ça que vous avez fait encore à Dadis. C'est ça que vous avez fait à Dadis. Rentrez partout. Vous pensez que vos jouets là, on ne connaît pas ça maintenant. On connaît ça maintenant. Nous, on va faire comprendre nos parents que qui vous êtes. Qui vous êtes. On a tout compris. Donc la famille, ouvrez vos yeux, supportez Colonel Doumbouya, regardez le travail qu'il est là à faire. Mettez dans vos têtes qu'il a fait un temps avec ses ans-là. Il ne faut pas qu'on lui décourage. Il faut qu'on lui donne la force, on va les soutenir pour qu'ils vont terminer leur travail. On sait qu'ils ne vont pas rester là-bas, mais ils n'ont qu'à mettre tout en ordre. Même un autre président vient, tout ce qu'il est en train de faire là, si un autre président venait, il n'allait pas faire ça. Parce que leur réseau là, c'est partout dans le monde entier. Ils sont partout. Ils sont partout. Et ils sont assis sur le système là. C'est entre eux seulement que les choses circulent. Les autres qu'ils n'aiment pas, c'est pour les écarter. On a tout compris. Et on est prêt pour vous maintenant. Tout va changer. Le monsieur va faire son temps. Le président qui va venir, il va tout changer aussi. Ça, c'est quoi ça? Vous êtes là
soi-disant que vous êtes les fils du pays et pourtant vous êtes des voleurs, menteurs, détourneurs comme ça là, mettre le pays en retard. Regardez comment la Guinée est à terre. On n'a pas de route, on n'a pas de l'eau. Ils n'ont même pas honte quand ils sont à la tête, ils n'ont même pas honte de mentir. De mentir avec tous les richesses que vous volez là pour venir mettre ça ici. Mettez-le dans vos vins. À l'heure là, nous, on ne veut pas vous attendre. Ok? Mettez-le dans vos vins. Parce que vous n'avez pas honte. Moi, je serai là. Je vous ai bien dit que je vais toujours dire ce que je connais. Je vais faire comprendre nos frères, nos sœurs. Parce que même mes générations là, beaucoup sont contaminés dedans. Même quand tu causes d'autres, avec d'autres personnes, tu connais déjà leur idée, comment ça est. Je connais beaucoup. Je connais beaucoup. Donc, nos sœurs qui sont derrière nous, il ne faut pas qu'on va vous manipuler. Parce que c'est les gens, ils ont des méthodes comment manipuler les gens. Donc, mettez dans votre tête que RPGIS qui est là-bas, là, ce n'est pas les gens qui sont là pour le pays. C'est les gens qui sont là pour détourner le pays complètement. Leur temps qu'ils ont fait là, vous-même, vous avez vu. Toutes les promesses qu'ils ont prises, on vous a fait ça. On n'a rien vu. Absolument rien. Vous allez vous asseoir encore, regarder les gens comme ça là, qui vont venir vous mettre à terre encore de plus. La famille, réveillez-vous bien. Réveillez-vous bien. C'est tout ce que je vais vous dire. Le petit message qui était là, c'était ça. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les enfants de la Guinée. Tous les ennemis qui veulent mettre le pays là à terre. On va vous faire sortir sous le bon soleil un à un. Plus jamais. Plus jamais ça. C'est tout ce que je voulais vous dire, la famille. Bonne soirée à tout le monde. On est ensemble. Vous pensez qu'on va rester le temps maintenant pour vous? Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Les malinqués dignes, les forestiers dignes, les soussous dignes, les peuls dignes, toutes les races, donnez-nous la main pour développer le pays là ensemble.